Ça, c'est un réflexe. Ah oui, c'est vrai. Ce perrichon n'arrive pas. Voilà une heure que je l'attends. C'est pourtant bien aujourd'hui qu'il doit partir pour la Suisse avec sa femme et sa fille. Des carrossiers qui vont en Suisse. Ha ! Des carrossiers qui ont 40 000 livres de rente. Des carrossiers qui ont voiture. Quel siècle ! Tandis que moi, je gagne 2 400 francs. Un employé laborieux, intelligent, toujours courbé sur son bureau. Aujourd'hui, j'ai pris un congé. J'ai dit que j'étais de la terre. Il faut absolument que je voie Perrichon avant son départ. Je veux le prier de relancer mon trimestre, 600 francs. Il doit prendre son air protecteur, c'est l'important. Un carrossier, ça fait pitié. Il n'arrive toujours pas. On dirait qu'il le fait exprès. Monsieur, à quelle heure part le train d'air pour Lyon? Vous n'avez pas souffert, demande au guichet. Merci, madame. Guichet fermé. Monsieur, à quelle heure part le train direct pour Lyon? Cela ne me regarde pas. Regardez la fiche. Merci. Ils sont polis dans ces administrations. Si jamais tu viens à mon bureau, toi, voyons la fiche. Allez, par ici, par ici, par ici. Je ne peux pas. Ne voyons plus de repos. Bon, alors, où sont nos bagages? Ah, très bien. Bon, qui c'est qui a les parapluies? Moi, papa. Bon, le sac de nuit, les manteaux? Moi aussi. Bon, mon panama, j'ai dû le laisser là-bas. Mais non, je l'ai là. Dieu que j'ai chaud. Mais c'est ta faute, tu nous presses, tu nous bouscules, je n'aime pas voyager comme ça. Mais c'est le départ qui est laborieux, une fois que nous serons casés. Bon, restez là, je vais chercher les billes. Tiens, garde-moi le pavé. Monsieur, il me faut les 3 premières pour Lyon. Ce n'est pas ouvert, dans un quart d'heure. Ah, pardon, c'est la première fois que je voyage. Caroline, nous sommes à l'avance. Là, mais je disais que nous avions le temps, tu ne nous as pas laissé déjeuner. Ah, il vaut mieux être à l'avance. On examine la gare. Alors, petite, es-tu contente? Voilà parti. Dans quelques minutes, rapide comme la flèche de Guillaume Tell, nous avancerons vers les Alpes. Tu as pris la dernière? Mais oui, sans reproche, oh. Papa, ça fait au moins 2 ans que tu nous le promets, ce voyage. Ah, ma fille, il fallait que tu se vendu mon faux. Un commerçant ne se retire pas aussi facilement des affaires qu'une petite fille de son pensionnat. Et puis j'attendais que ton éducation fût terminée pour la compléter en faisant rayonner devant toi le grand spectacle de la nature. Ah ça, est-ce que vous allez continuer comme ça? Quoi? Vous faites des phrases dans une gare. Je ne fais pas de phrases, j'élève les idées de l'enfant. Bon, tiens, prends ce carnet pourquoi que j'ai acheté pour toi. Pour écrire d'un côté les dépenses et de l'autre les impressions. Quelles impressions? Eh bien, les impressions du voyage. Tu écriras et je te dicterai. Ah ça, vous allez faire auteur à présent. Ben, il ne s'agit pas de se faire auteur, mais je pense qu'un homme du monde peut avoir des idées et les recueillir sur un carnet. Ce sera bien joli. Bon, elle est toujours comme ça quand elle n'a pas pris son café. Monsieur, vos bagages, ah. Voulez-vous les enregistrer? Ah, certainement, certainement. Mais auparavant, je voudrais les compter parce que lorsqu'on sait son compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma fille 7, ma femme 8 et moi 9. Nous sommes 9. À lever. Bon, allez, dépêchons-nous. Ah, par ici, par là-bas. Restez là, je reviens. Oui. Pauvre père, quelqu'un il se donne. Il est comme un ahuri. Attendez, je ne sais pas encore où je vais. C'est elle. Je ne me suis pas trompée. Quel est ce jeune monsieur? C'est un jeune homme qui m'a fait danser la semaine dernière au bal du 8e arrondissement. Un danseur. Madame, mademoiselle, je bénis le hasard. C'est d'un bon partir? Oui, monsieur. C'est d'un bon à Marseille, sans doute? Non, monsieur. À Nice, peut-être? Non, monsieur. Pardon, madame, je croyais si mes services... Bonjour, vous n'avez le temps pour vos bagages. Allons, c'est juste. J'aurais aimé savoir où elles vont avant de prendre mon billet. Madame, mademoiselle, elles partent, c'est le principal.
Portez maman le bagage, je vous rejoins. Bien, ce jeune homme. C'est elle. Quel est ce monsieur? C'est encore un danseur qui m'a fait danser au bal du 8e arrondissement. Ah, ils se sont donc tous donné rendez-vous ici. Qu'importe ce danseur. Madame, mademoiselle, je vais du hasard. Ces dames vont partir. Oui, monsieur. Ces dames vont à Marseille, sans doute. Non, monsieur. À Nice, peut-être. Tiens, comme l'autre. Non, monsieur. Je ne suis pas plus avancée. Je vais faire enregistrer ma balle et je reviendrai. Madame, mademoiselle, il est très bien, ce jeune homme. Que fait ton père? Les jambes me rentrent dans le corps. Je me suis trompée, ce trait ne part que dans une heure. Tiens, monsieur Majorin. Les voici. Vous, comment vous n'êtes pas à votre bureau? J'ai demandé un congé, belle dame. Je ne voulais pas vous laisser partir sans vous faire mes adieux. Je ne vois pas votre mari. Des bagages. Les billets d'abord. Très bien. Tiens, ce brave majorin. Enfin, le voici. Tiens, attends, attends. Pardon, vous avez des répliques à vous dire, Eliane. Il faut écouter ce que dit l'autre. Tu ne peux pas lui répondre s'il n'a pas posé la question. Donc, il faut écouter ce que disent les autres. C'est primordial. D'accord? Et si tu fais ce genre de truc, tu te tombes pas vers Madame Perrichon en faisant « Je me suis trompée ». Parce que ça, le spectateur le voit. D'accord? On enchaîne. Les billets d'abord. Très bien. Enfin, le voici. Bonjour, cher ami. Demain, j'aurai, excusez-moi, mais il faut que je prenne mes billets. Il est pourri. On ne veut pas enregistrer les bagages avant que j'ai pris mes billets. Ce n'est pas ouvert. Attendez. Attendez, attendez. Là-bas, ils me disent, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je suis en dedans. Et moi, je ne tiens plus sur mes jambes. Eh bien, asseyez-vous. Vous avez un banc derrière. Ne restez pas là, planté comme deux factionnaires. Mais c'est toi qui nous as dit, restez là. Oh, Perrichon, ton voyage, j'en ai déjà assez. Allons, Caroline, allons. Bon, assieds-toi. On voit bien qu'elle n'a pas pris son café. Assieds-toi et on verra. Mais dépêche-toi. Joli petit ménage. Mais elle est toujours comme ça qu'elle ne prend pas son café. Ah, c'est gentil à toi d'être venu. Attention, ton éventail, je ne vois plus, Eliane. Non, mais tu peux, mais voilà, plutôt de cette main. Je voudrais te demander un petit service. Ah, et mes bagages qui sont restés sur une table là-bas. C'est gentil à toi d'être venu, si j'y arrive. S'il te plaît. Vous êtes devant Nicole. S'il te... Non, décalez-vous vers le centre. Voilà. S'il te plaît, j'ai un petit service à te demander. Oui. J'ai déménagé et si tu voulais m'avancer un trimestre de mes appointements, 600 francs. Bah, ici, c'est de là, là. Je tiens à le constater, je touche mon dividende des Pacobos le 8 du mois prochain. J'ai 12 actions. Et si tu ne me fais pas confiance, je te remettrai les titres en garantie. Allez, sois pas bête. Merci. Mais non, mais tu me demandes ça, donc je m'en vais. J'ai pris juste l'argent nécessaire au voyage. Après tout, si ça te gêne, n'en parlons plus. J'irai voir des usuriers qui me prendront 5% par an. Bon. Je n'en mourrai pas. Bon, allez. Ne sois pas bête, hein. Je vais te les donner. C'est 600 francs. Tiens. Et voilà. Mais n'en parle pas à ma femme. Hein. Merci, je comprends, elle est si avare. Comment ça va? Je veux dire qu'elle a de l'or. Ah, mais il faut ça, madame, il faut ça. Alors, c'est 600 francs que je te dois. Adieu. Que d'histoire pour 600 francs. Et ça va en Suisse. Carrossier. Et voilà. Il est parti. Il m'a même pas dit merci. Mais dans le fond, je crois bien qu'il m'aime. Ah, ça fait ici. On distribue les billets. Faites attention, monsieur. On est à votre tour là-bas. Mes billets, mes bagages, ma femme, ma fille. Tu devais faire ça avant. Tu as encore la casquette sur la tête, Nicolas. Avant, tu es en offre depuis très longtemps. C'est avant que tu devais te débarrasser de ton premier costume. Hein. D'accord? Pour pas être en stress au moment de rentrer. Je la porte, la porte. Ah non, il la porte, ben si t'as un valet. Hein. Nécessairement. Nécessairement, tu ne payes pas pour rien. T'as besoin des lunettes, Nicole? Oh. Nicole. Lini, pardon. Tu m'entends bien? Oui, mon commandant. Si elle te demande où je suis et quand je reviendrai, tu répondras que tu n'en sais rien. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Oui, mon commandant. Tu
Tu diras à l'État que tout est fini et bien fini. Oui, mon commandant. J'ai mes billets, vite, à mes bagages. Oh, quel métier que d'aller à Lyon. Tu m'as bien compris. Sauf votre respect, mon commandant. Il est bien inutile de partir. Bah, et pourquoi? Parce qu'à son retour, mon commandant reprendra moi, c'est Anita. Oh! On ne veut pas la quitter. Les recommandements coûtent toujours quelque chose à mon commandant. Raccommandement coûte toujours quelque chose à mon commandant. À mon retour, j'arrangerai toutes mes affaires. Adieu. Adieu, mon commandant. Non, pas ninina. Tu lui achètes un journal, peut-être. Pas des billets, c'est pas une guichet, c'est un kiosque. Alors, tu peux lui dire un journal, s'il vous plaît, ou quelque chose dans le genre. Un journal. Mais, voilà. À la limite, on rajoute un journal, hein, voilà. Si c'est nécessaire. Un journal, marque, un journal. Un journal, je peux s'en mettre de payer, voilà. Ah, et tu m'écriras à Genève, poste restante. Tu me donneras des nouvelles de ta santé. Mon commandant est bien bon. Et puis, tu me diras si on en a eu du chagrin en apprenant mon départ, si on a pleuré. Qui ça? Ben, par deux. Elle, Anita. Oh, vous la reprendrez, mon commandant. Jamais. Ça fera 8e fois. Ça me fait du mal de voir un brave homme comme vous harcelé par un créancier et tout ça pour rien. Oh, papa, alors, donne-moi ma valise et n'oublie pas de m'écrire à Genève. Bonjour. Bon voyage. Il sera revenu dans 8 jours. Ah, les hommes et les femmes! Enfin, j'ai mon bulletin, je suis enregistré. Je suis lasse d'être assise. Bien, prends ton carnet et écris. Monsieur, ah. N'oubliez pas le facteur, s'il vous plaît. Ah, combien faut-il lui donner à celui-là? 10 sous. 15, 20. Ouh, 20 sous. Bon, tu l'as écrit ma bourse. Voilà, mon garçon. Merci bien. Merci, monsieur. Voilà. Bon, entre vous. Ah, un instant. Henriette, prends ton carnet et écris. C'est bien de l'avoir dit avant. Une première fois, prends ton carnet et écris, il vous coupe. Ça lui donne un peu plus de temps. C'est bien, ça, Jean-Daniel. Tu le gardes, ça. Non, mais c'est très bien. C'est très bien parce qu'il est vachement pressé, en fait, à ce moment-là. Donc, si tu commences à lui dire là, donc elle peut commencer à sortir. En plus, elle est plus grande. Pose le Panama sur le banc, Eliane. T'embête pas. Vous le récupérerez après. Quand il dit où il est mon Panama, il est là et tu lui tends. D'accord? Et c'est bien, oui, de commencer à dire prends ton carnet, paf, et on reprend. Mais donc, prends ton carnet et écris. D'accord? C'est pas du tout gênant. Je préfère comme ça que de vous voir sans rien dire. Alors, dépenses, fiacre, 2 francs, chemin de fer, 172 francs, 5 centimes, porteur, 1 franc. C'est fait. Bien, yeah, maintenant, impression. Il est insupportable. Adieu France, reine, mon Panama, bon sang. Il est là. Ah. Le signal, tu vas me faire rater le convoi. Adieu, France, reine des nations. Bon, allez, allons-y, on verra ça plus tard. Allez, dépêchez-vous. Ah, enfin, prenez donc garde. Oh, faites attention vous-même. Daniel. Oh, non. Ensemble. J'ai, mon cher Armand, des cigares de première classe. Et où allez-vous? Eh bien, enfin, mon cher, je n'en sais rien encore. Tiens, c'est bizarre, on y m'en non plus. J'ai pris un billet jusqu'à Lyon. Vraiment? Moi aussi. Et je m'apprête à suivre une charmante demoiselle. Tiens, moi aussi. La fille d'un carrossier. Perrichon. Mais c'est la même, mon cher Armand. Mais je l'aime, moi, mon cher Daniel. Je l'aime également, mon cher Armand. Moi, je veux l'épouser. Et moi, je veux la demander en mariage. Elle demanderait la même chose. Non, nous ne pouvons l'épouser tous les deux. C'est impossible. En France, c'est défendu. Que faire, alors? C'est bien ça.
marchepied du wagon. Continuons gaiement notre voyage. Cherchons à plaire, à nous faire aimer, chacun de notre côté. Oh, mais alors, c'est un concours, un tournoi, une lutte loyale et amicale. Si vous êtes vainqueur, je m'inclinerai. Si je l'emporte, vous ne me tiendrez pas rancune. Est-ce dit ? Soit, j'accepte, mon cher. Eh bien, la main avant la bataille. Et la main après. Très bien. Je te dis que j'ai le temps. Oh, notre beau-père. Madame, je voudrais acheter un livre pour ma femme et ma fille. Un livre qui ne parle ni de galanterie, ni d'argent, ni de politique, ni de mariage, ni de bon. Oh, Benson Crusoe. Monsieur, j'ai votre affaire. Ah, voyons ça. Ah, les bords de la Somme. Deux femmes. Voilà, madame. Bien. Ah, on s'en va. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Suivons-le. Suivons, j'aimerais savoir où nous allons. C'est bizarre que ce soit Nicole qui secoue la cloche. Oui. C'est bizarre. Il faut que ce soit quelqu'un en coulisses qui s'en occupera. Ouais, parce que là, on se demande pourquoi c'est dans le kiosque qu'on appelle les voyageurs, quand même. Donc la cloche, on va la mettre, elle restera, mais de toute façon, quand vous rentrez chez vous, c'est des choses, c'est pour vous ouais. Déménager la cloche. Donc là, il faudra que quelqu'un un peu long là c'est trop long, il faut sortir de scène. C'est la musique qui tombe, juste et en fait c'est au moment où Majorane doit se changer, il faut que toi Nini tu sois prête à aller chercher la petite fille, d'accord? Quand tu fais le voyageur enrhumé, il faut que ça soit déjà pris dessous, c'est pour ça que je t'avais mis l'écharpe, le voyageur enrhumé, d'accord, c'est-à-dire que
Voilà. D'accord. Comme ça, et la veste, ne l'attache pas. Parce que là, elle a ta bouton de lundi, elle mardi. Voilà, c'est comme ça. En fait, l'écharpe grise cache l'écharpe verte. D'accord. Tu auras moins de. Voilà. Donc, tu as de la veste en mardi. Il faut juste récupérer sa veste, lui tendre l'autre. Alors, Majorelle. Mimi ne doit pas s'en occuper. Il faut qu'elle pense à monter sur scène. Ça va marcher parce que là, ça s'est joué à un quart de seconde. Hein. Donc, ça va marcher. Oui, oui, voilà. Mais bon, là, sur le décor, on a pris le temps où il fallait et c'est très bien. Et on enchaîne. Excusez-moi de vous couper, mais je préfère aujourd'hui qu'on règle. Hein. Il faut. C'est bien, l'acteur a été bien. Hein. Si les seules choses que je vois, je les dis au fur et à mesure hein, ce soir. Ces messieurs prendront un petit peu de choses. Ne nous tourne pas le dos, Nicole. Même si tu t'adresses à eux, tu te mets, voilà, ou entre eux, ou... soyez pas si collés, messieurs. Vous n'êtes pas de la jaquette. Laissez Nicole se mettre entre vous. Là. Entre eux. Ces messieurs prendront-ils autre chose? Du café, plus tard. Faites manger les bulles. Ensuite, nous partirons pour la mer de glace. Je m'en occupe. Mon cher Armand. Eh bien, mon cher Daniel, les opérations sont engagées. Nous avons commencé l'attaque. Notre premier soin a été de nous introduire dans le wagon de la famille Perrichon. Le papa avait déjà mis sa calotte. Et nous les avons bombardés de petits soins et de prévenance. Vous avez prêté votre journal à M. Perrichon, qui a dormi dessus. Mais en échange, il vous a prêté les bords de la Seine. Un livre avec des images. Et vous, mon cher Armand, vous avez tenu à partir de Chalon un sort dont la mécanique était dérangée. Ça a dû vous fatiguer, pauvre ami. Oui, mais la maman m'a comblé des pastilles de chocolat. Gourmand, vous vous êtes fait nourrir. À Lyon, nous descendons au même hôtel. Oui. Et le papa, en nous voyant aussi, oh, quel heureux hasard! À Genève, même rencontre imprévue. Et à Chamonix, même situation. Et le Perrichon, toujours le sécurieux. Oh, quel heureux hasard! Oh, oh. Vous apprenez que la famille s'est apprête à aller à la de glace et vous venez me chercher dans ma chambre dès l'aurore. Ça, c'est un trait de gentilhomme. Oh, mon cher Armand, c'était dans le programme. Lutte loyale et amicale. Est-ce que vous voulez un cigare? Merci, je n'en prendrai pas. Mais je dois vous prévenir loyalement, mon cher Daniel, que de Chalon à Lyon, mademoiselle Henriette a regardé trois. Vous me faites rire. Et moi, elle m'a regardé quatre. Diable, c'est sérieux. Oh, ça le sera davantage quand elle ne regardera plus. Je crois qu'en ce moment, elle nous préfère tous les deux. Et ça peut durer longtemps comme ça. Heureusement, nous sommes gens de loisirs. Ah ça, expliquez-moi comment vous avez pu vous éloigner de Paris étant le gérant d'une société de paquebots. C'est très simple, les remorqueurs sur la Seine. Capital social, 2 millions. Je me suis demandé un petit congé que je n'ai pas hésité à m'accorder. J'ai de bons employés, les paquebots vont tout seuls. Et pourvu, mon cher Armand, que je sois à Paris le 8 du mois prochain pour le paiement du dividende, ah, ça. Mais, vous expliquez-moi, pour un banquier, je trouve que vous périnez beaucoup. Oh, vous savez, ma maison de banque ne m'occupe guère. J'ai associé mes capitaux. Attention, Lulu, tes gestes. Mais en réservant la liberté de ma personne, je suis banquier amateur. Je n'ai qu'un mot à faire à Paris, mon cher Daniel, le 8 du mois prochain. Oh, mais jusque-là, nous allons nous faire une guerre à outrance, mon cher Armand. À outrance, mon cher Daniel, comme de bons amis. Je vous avoue que j'ai pensé un instant à vous céder la place, mais j'aime sérieusement mademoiselle Henriette. Tiens, c'est singulier. J'ai eu envie aussi de vous faire le même sacrifice. Sans rire, hein. À Chalon, j'avais envie de décamper. Et puis, je l'ai regardée. Elle est si jolie. Oh, c'est douce.
blonde. Tu n'as pas que de blonde. Et avec. Il y a avec. Des yeux. Comme nous les aimons, chère Danielle. Alors je suis restée. Oh, je vous comprends. Ah, la bonne heure. C'est un plaisir de vous avoir comme ennemi, mon cher Armand. Vraiment un plaisir, bon plaisir. Mais il faut dire qu'avec M. Perrichon, ce voyage... Mais bon, il faut dire que oui, M. Perrichon... Oui. Non, allez-y, monsieur, allez-y, M. Perrichon. Oui, il était à Lausanne alors qu'il nous avait envoyé nous promener à Ferney où nous comptions le retrouver. Ah, mais voilà. Il est capricieux. Et en fait, il était allé à Lausanne. Il est très capricieux. Attention, s'il y a un plantage de texte, tu ne dois pas la redire, la phrase. Elle l'a déjà dit, il était à Lausanne. Tu ne reprends pas ton texte, t'en fais rien. C'est fini, ça, on n'en parle plus. Il faut faire attention à ce que disent les autres. Donc, s'il y a ce genre de bug, on enchaîne sur la suite. On ne revient pas sur ce qui a déjà été dit. Parce que là, le public entend que deux fois, on dit la même chose. Donc, il sent qu'il y a eu un plantage. Si vous continuez, on ne voit pas. Là, on n'a pas vu, parce que l'ordre, on s'en fout en même temps. Hein. D'accord? Et oui, mais... Bon, je trouve que c'est amusant de voyager comme ça. Ça me fait plaisir. Mais où allez-vous? Eh bien, écoutez, je trouve que vous vous êtes un peu trop levé prématurément. Parce que du coup, vous êtes vachement debout alors que vous êtes censé prendre le café et vous installer assez tranquillement. D'accord? Et vous ne devez pas avoir le café, là, normalement? Non, le café, non. Je l'amène que maintenant. Quand d'accord. Quand elle me rappelle. D'accord. Je n'amène pas dessus. Ok. Okay. Vous êtes beaucoup debout du coup, parce que vous êtes censé vous relaxer dans une auberge. Et vous êtes donc on sera très debout. En cours de... Par contre, quand vous parlez de Henriette, là, tout ça, c'est très très bien. Ça, debout, face publique, comme vous l'avez fait, c'est très bien. Mais asseyez-vous, parce que là, du coup, vous êtes. Il faut que toi, Daniel, tu sois assis quand tu lui dis mais où allez-vous? Toi, t'es le lièvre, c'est le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue. Donc la tortue, elle est cool, hein, prend son temps. D'accord? Il faut... Moi, ça ne me dérange pas que vous leviez plus tôt, mais je trouve que vous êtes très longtemps debout dans une auberge. Mmh. En général, quand on va boire un coup quelque part, on est installé autour d'une table. Mmh. Plus que... Voilà. Moi, ça ne me gêne pas, si vous voulez continuer comme ça. Mais c'est vrai qu'après, là, vous êtes, on dirait, un peu sur le départ tous les deux, quoi. Hein? Non, on continue, c'est pas grave, hein, ça n'est pas... Et où allez-vous, mon cher? Je me tiens plus en place, j'ai envie d'aller au-devant de ces dames. Et votre café? Je n'en prendrai pas, au revoir. Vous avez oublié votre chapeau, il fait chaud dehors, mon cher. Au revoir. Ah, ce cher Armand, c'est un excellent garçon, mais il est tout feu, tout flamme, il est parti. Non, prendre... Toi, arrange pas la nappe. Non. Un homme, au 19e, a rangé le nappe. Lulu, il y a des domestiques pour se faire. Un banquier n'arrange pas les nappes. Ça, c'est vraiment bien. Il est tout feu, tout flamme, il est parti sans prendre son café. Ah, madame l'aubergiste, monsieur, le café, de suite. Ah, hier, j'ai voulu faire fumer le beau-père. Pauvre homme, ça ne lui a pas réussi, mais... Monsieur servi. Vous pouvez m'apporter la chaise, je vous prie. Là. Ah, voilà. Ah, là, c'est parfait. C'est parfait. Ah. Moi, je suis là, je m'étends. Je prends mon café alors que ce pauvre Armand, il court en plein soleil sur la grande route. Qui de nous deux va arriver le premier? Nous avons là la fable du lièvre et de la tortue. Monsieur va-t-il écrire quelque chose sur le livre des voyageurs? Oh, je n'écris jamais après mes repas, rarement avant d'ailleurs. Mais pourquoi pas, voyons. Nous allons lire les pensées ingénieuses et subtiles des voyageurs. Voyons. Un bien beau livre. Ah, il y en a des choses décrites. Je ne me suis jamais mouché si haut, signé un voyageur enrhumé. Ah, voyageur enrhumé.
quelle belle écriture! Qu'il est beau d'admirer les splendeurs de la nature entourée de sa femme et de sa nièce signée Malaperrentier. Je me suis toujours demandé pourquoi les Français si spirituels chez eux sont si bêtes en voyage. Ouh, au secours! Au secours! Viens là, qu'est-ce qui se vient? Ta jupe, hein. Pense à la prendre. Non, il faut absolument pas que tu te casses la figure, tu vas te faire mal. Et c'est des escaliers métalliques là-bas. D'accord. Donc tu prends bien comme il faut. Hein. Il vaut mieux gérer ça que le périchon. Hein. Ça va mieux. Ça va mieux. Ah, non, non, ma fille. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, quelle culbute, mes amis. Ah oui, oui, mais c'est ta faute aussi, vous la montez à cheval. Toi, père de famille, mais les éperons encore. Mais les éperons, ils sont pour rien, c'est la bête. Oui, attention à ça, le placement, c'est avant, hein, d'accord? Parce que là, on voit que tu te rapproches de madame Perrichon, et a priori, il n'y a pas de raison, puisqu'après, tu vas la repousser un peu. Donc attention au placement en rentrant, il faut penser, voilà, à cet ordre-là. Là, en plus, c'est très joli, c'est très bien. On vous voit très bien, là. Ok, donc faites bien attention à vous placer directement. Ok, et quand vous arrivez, donc c'est très bien là, l'affolement. Il faut pas que ça tombe comme un soufflet, hein. Il faut que ça continue un petit peu sur les premières répliques. Oh mon papa, oh mon Dieu. Et l'aubergiste qui lui fait du vent, enfin tout ça. Il faut que cette ambiance un peu tendue tienne un peu plus longtemps, hein. D'accord. Voilà, reprenons madame Perrichon, désolée. Je sais plus ce que c'est. C'est ta faute aussi. Vouloir monter à cheval, toi, une belle famille avec des éperons encore. Mais les éperons, ils sont pour rien. C'est la bête qui est ombrageuse. Oh, tu penses que tu vas piquer ça le bois, ce sera cabré. Et sans l'arrivée de monsieur Armand, tu disparaissais dans un précipice. Ah. Il était méchant. Il roule, le voyant rouler. C'est bien, Nicole. Ne te cache pas, Nicole. C'est très bien ce que tu fais, mais ne te cache pas. Monsieur s'était lancé avec un courage, un sang-froid. Oh, vous êtes notre sauveur, car sans vous, maman, il est mon pauvre. Calmez-vous, madame Perrichon, calmez-vous, il n'y a plus de danger. Hein. Oh, mais ça me fait du bien, c'est un peu grave, calmez-vous. Le cheval. Ah. Permettez, monsieur, d'ajouter mes remerciements à ma mère. Ça s'est fait trop tôt là. Tu t'es détachée de madame Perrichon trop tôt. Madame Perrichon, tu as arrêté de pleurer trop tôt. Henriette, il faut que tu les coupes bien plus vite. On reprend juste au moment où madame Perrichon pleurniche. Ouh, c'est un pont aussi vouloir monter à cheval comme un père de famille. Calmez-vous, madame Perrichon, il n'y a plus de danger. Calmez-vous, calmez-vous. Mais non, je tiens à vous faire les remerciements à ceux de ma mère. Tu es trop près, Henriette. C'est pour ça qu'il ne peut pas la balancer. D'accord? On y va? C'est pas très grave, du cheval. Calmez-vous, madame Perrichon, il n'y a plus de danger. Non, calmez-vous. Je tiens à vous faire. Je continue à pleurer chez moi. Si ça te lance la réplique, tu me dis, monsieur Armand, je tiens à vous remercier. Voilà. Et d'accord, si ça te lance, dis monsieur Armand. Comme ça, lui, ça lui donne le prétexte de balancer madame Perrichon. Calmez-vous, madame Perrichon. Monsieur Armand, je tiens à ajouter mes remerciements à ceux de ma mère. C'est bien ça. Je garderai le souvenir de cette. Repousse Nicole, elle t'emmerde avec son torchon. À mon tour, monsieur Armand, à mon tour, laissez-moi vous appeler Armand. Mais comment donc, monsieur Armand? Armand, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Je ne sais pas faire de phrase, moi. Mais tant qu'il battra le cœur de Perrichon, vous aurez une place. Je ne vous dis que ça. Lulu, montre-nous ce que tu fais. C'est important pour nous que. Bon, ça va, quoi. Tu n'es pas très satisfait du coup, toi. Faut que c'est à nous, hein, pas aux comédiens, c'est à nous qu'il faut le montrer, d'accord? Excusez-moi, hein, je vous coupe, je sais que pour le rythme c'est pas bon, mais je préfère vous dire maintenant les petites choses. Je crois que j'ai eu tort de prendre mon café. Vous ferez reconduire le cheval, nous retournons dans sa voiture. Mais puisque je vous dis que je suis assez bon cavalier. Ah, aïe! Quoi? Oh non, c'est mes rêves. Mais vous pourrez faire reconduire le cheval. Ah! Allez, monsieur Armand. Merci, monsieur Armand. Au revoir, monsieur. Merci. Aïe. Merci, j'ai monsieur Armand. J'ai trop Bon. Luminode, Eliane, il faut qu'elle. Oui, c'est ça. Merci, monsieur Armand. Oui, voilà, tu secoues la jupe. C'est bien. Ça, c'est bien. Allez, un peu chaud. Oui. Bon. Allez. Aïe.
l'ambiance de votre épaule et non. La fille que je pas que tu mimes là. Tu mimes pas, t'es vexée. T'es vexée, donc tu le mimes pas. Ça, là, t'es pas dans le truc où tu es dans le comique. Là, c'est. Oh ben voilà, le papa vous appelle Armand, la maman pleurniche sur votre épaule. Je pleurerais faire. Là, t'es plus un peu. Tu pensais gagner quand même, parce que Daniel, il a ce côté assez suffisant. Donc, tu pensais gagner, et là, tu vois qu'il a marqué des points, donc ça te gonfle quand même un petit peu. Hein. Donc, t'es un peu plus sec. Hein. Tu le fais pas plus rigolo, quoi, hein, là. D'accord. D'accord ? Vas-y. Oh, c'est bien le hasard. Le papa vous appelle Armand, la maman pleure, vous voyez la fille vous décoche les phrases qui sont sorties, empruntées aux plus belles pages de M. Bouy. C'est clair, je suis vaincue. Mais comment donc vous plaisantez ? Oh, je plaisante d'autant moins que je me retire dès ce soir. Comment ? Je pars vers Paris où vous retrouverez un bon ami qui vous souhaite bonne chance. Vous partez ? Oh, merci ! Oh, voilà un cri du cœur. Oh, pardon, Daniel, je le retire. Avec le sacrifice que vous me faites. Tu peux enlever ton chapeau quand tu es à l'intérieur de la maison, le tenir à la main, tout ça. Hein. Surtout là, tu es confus. Oh, pardon, je... Alors, tu fais rien. Voilà, d'accord. Avec le sacrifice que vous me faites. Entendons-nous bien. Je ne vous fais pas le plus léger sacrifice. Si je m'en vais, c'est que je crois n'avoir aucune chance de réussir. Car s'il en restait une, même toute petite, je resterai. Ah ? Car, voyez-vous, cher Armand, depuis qu'Henriette m'échappe, il me semble que je l'aime davantage. Ah, je vous comprends. Aussi ne vous demanderai-je pas le service que je voulais vous demander. Quoi donc ? Non, rien. Parlez, je vous en prie. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai pensé, puisque vous partez, à vous prier de voir M. Perrichon et lui toucher deux mots de ma position, de mes espérances. Ah, diable ! Et vous comprenez, je ne puis le faire moi-même. J'aurais l'air de venir vous réclamer le prix du service que je lui ai rendu. En fait, vous me priez de faire la demande à votre place. Ah, vous refusez. Mais mon cher Armand, c'est quand même assez original ce que vous me demandez là. J'accepte. Mon ami. Et avouez que vous avez un bien bon petit rival. Un rival qui fait la demande pour vous. Hein. C'est quand même assez fort. Mais je pense que M. Perrichon ne va pas tarder. Alors, ce que vous allez faire, vous allez fumer un cigare dehors. Vraiment ? Oh, Daniel, je ne sais comment vous remercier. Ne vous inquiétez pas, je vais faire vibrer chez lui la corde de la reconnaissance. Certainement, il m'a sauvé. Certainement, il m'a sauvé. Et tant qu'il battra, le cœur de Perrichon, je guéris. Eh bien, Monsieur Perrichon, comment vous sentez-vous ? Tout à fait remis. Je vais le voir à trois bouts de ronde dans un verre d'eau, et dans un quart d'heure, je compte gambader sur la mer de glace. Tiens, mon ami est plus là. Il vient de sortir. Ah, c'est un... bien brave jeune homme. Ces dames l'aiment beaucoup. Oh, et quand elles connaîtront davantage, un cœur noble, obligeant et d'une modestie. Ouh, ça, c'est rare. Oui, parce qu'en plus, il est banquier. Ah. C'est un banquier associé de la maison Tornet et compagnie. Car c'est assez flatteur, n'est-ce pas, Monsieur Perrichon, d'être repêché par un banquier, ah. Car sans lui, hein, ah, il serait sauvé. Hein. Ah, certainement, certainement, c'est très gentil, ce qu'il a fait là. Gentil, comment ça, gentil ? Oh, est-ce que vous allez pouvoir atténuer le mérite de son action ? Par exemple. Ah, ça, ma reconnaissance ne finira qu'avec ma vie, ça, tant que le cœur de Perrichon battra. Mais entre nous, le petit service qu'il m'a rendu n'est pas aussi grand que ma femme et ma fille veulent bien le dire. Vous savez, les femmes, ça vaut un peu la tête. Oh, mais enfin, quand même, Monsieur Perrichon, expliquez-moi, c'est bien Armand qui vous a arrêté alors que vous rouliez. Ah, je roulais, c'est vrai. Mais avec une présence d'esprit étonnante. J'avais aperçu un petit sapin après lequel j'allais me cramponner. Je le tenais déjà quand votre ami est arrivé. Vous allez voir qu'il s'est sauvé tout seul. Au reste, je ne lui sais pas moins gré de sa bonne intention. Je compte le revoir, lui réitérer mes remerciements, je l'inviterai même cet hiver. Une tasse de thé. Ah, il paraît que c'est pas la première fois que j'ai un petit accident comme ça. Hein. C'est un mauvais pas. L'aubergiste me racontait
dernier, un russe, un prince, très bon cavalier, car ma femme a beau dire, mais ça ne tient pas de ses épaules, avait chuté dans le même trou. En vérité? Oui. Et bien son guide l'a retiré. Vous voyez bien qu'on s'en retire facilement. Le russe lui a donné sa femme. Ouh, mais c'est très bien payé. Ah oui, c'est à vous, pas plus. Non, pas plus, pas un sou de plus. Oh, mais je ne pars pas. Ah, et ce guide alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais ces dames sont-elles prêtes? Elles ne viendront pas, vous comprenez. Ah. Par contre, je compte sur vous. Et sur Monsieur Armand? Ah, s'il veut être des nôtres, je ne refuserai certainement pas la compagnie de Monsieur Desroches. Monsieur Desroches, et un peu plus, il va le prendre en grippe. Monsieur? Ah, oui. Les chaussons sont là. Ah, très bien. Très, très bien, parce qu'il paraît qu'on glisse dans ces traverses-là et comme je dois... C'est maintenant, Nicole, que tu en profites pour remettre le siège en place. D'accord. Voilà. Comme tu re-rentres, ben voilà. Comme je ne veux avoir d'obligation à personne. Bon. Monsieur va-t-il écrire sur le livre des voyageurs? Certainement. Mais je ne voudrais pas écrire quelque chose d'ordinaire. Il me faudrait une pensée. Il me faudrait une jolie pensée. Je crois que je vais y réfléchir en mettant mes chaussons. Je suis à vous dans la minute. Ce carrossier est un trésor d'ingratitude. Or, les trésors appartiennent à ceux qui les trouvent. Article 716 du Code civil. Il faut démarrer avant. Il faut démarrer, commencer à rentrer quand elle est encore en train de parler. Ça évite que là, il y ait une perte de temps. D'accord ? Article 716 du Code civil. Avant. Reprends un peu plus tôt parce que sinon elle n'a pas le temps. Ah, article, tu rentres. Ouais. Ce carrossier est un trésor d'ingratitude, or les trésors appartiennent à ceux qui les trouvent. Article 716 du Code civil. Eh bien, pauvre garçon, l'avez-vous vu? Je l'ai vu. L'avez-vous parlé? Je lui ai parlé. Alors, vous lui avez fait ma demande? Non. Tiens, pourquoi? Écoutez, Armand, nous nous sommes promis d'être francs l'un vis-à-vis de l'autre. Eh bien, je ne pars plus, je continue la lutte. Ah, c'est différent. Autant vous demander les motifs qui ont changé votre détermination. Eh bien, j'en ai un puissant. Je crois réussir. Prendre un autre chemin que le vôtre et arriver avant vous. Oh, c'est très bien, vous êtes dans votre droit. Oui, parce que je pense que... Je pense que je vais gagner, mon cher Armand. Mais attention, la bataille n'en restera pas moins loyale et amicale. Oui, oui. Oui, 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 c'est un oui un peu sec. Oh, pas pour gagner, je vous le promets. Ah, à la bonne heure. Toujours la main avant la bataille. Allez, j'ai mis le chausson, je suis prêt. Vous sentez-vous remis de votre chute, monsieur Perrichon? Oh, tout à fait, ne parlons plus de ce président, c'est oublié. Hein? Mais dites-moi, nous partons pour la mer de glace. Est-ce que vous avez vous? Je suis un peu fatiguée. Je vous demanderai la permission de rester, monsieur Perrichon. Comme vous voulez, très volontiers. Bon, madame Aubergiste, s'il vous plaît, vous pouvez faire passer le cahier des voyageurs. Ah. Il va écrire sa pensée, sa jolie pensée. Voyez un coup. Ah, voilà. Que l'homme est petit lorsqu'on le contemple du haut de la mer de glace. C'est bien écrit. Ouh, abrutis, c'est fort. Ah, ce n'est pas la pensée. Ce n'est pas la pensée de tout le monde. Hein. Ouh, eh, ni l'orthographe. Il a écrit mer, M-E-R-E. Ah, madame l'aubergiste, vous faites attention pour les gardes, c'est frais. Hein? Le guide attend ces messieurs. Il ne faut pas que tu lui passes le livre des voyageurs, il reste sur la table. Ah, donc il ne faut pas que tu lui passes. Hein, c'est juste, elle vient et comme tu crois qu'elle va le fermer, elle dit, bon, tu lui dis, faites attention, c'est frais. Ah, oui. Tu l'empêches de le fermer et tu ne lui donnes pas parce que comme il va y avoir le commandant qui va écrire dessus, le livre reste là. Attention, prenez garde, c'est frais. Le guide attend ce monsieur avec les bâtons serrés. Ah, très bien. Bien, mais en route. Hein? Ah, voilà, impeccable. Le bâton ferré, par contre, il est où? Il est là, alors, mais je ne vais pas porter. Il faut que je le porte. Ah oui, eh
Bah oui. Et je me suis posé la question. Oui, très bien, ouais. Oui. J'avais mis là, mais je me suis posé la question s'il fallait lui amener. Oui, tu peux, ouais. C'est le guide. Et oui, mais bon, comme on n'a pas de guide sous la main, on va dire que. Voilà. En revanche. Quel curieux revirement, chef d'aide. Non, tu ne sors pas par là, hein, toi, l'aubergiste. Si, parce que j'ai le commandant, je lui dis de rentrer. Il y a deux fois où je sors de ce côté-là. Revenons me chercher. Oui. Sur le texte. Oui, c'est pas ici, monsieur. Oui. Mais donc, ce qui se passe, c'est que tu es dans ton auberge, il arrive et tu lui as dit que la table, par ici, monsieur. Ah, d'accord. Tu vas pas chercher les gens dans la campagne. Donc voilà, quand tu vois qui pointe, tu dis par ici, monsieur, tu lui montres cette table pour pas qu'il se mette à la table de Armand et Daniel. D'accord. C'est ça, le par ici, monsieur. Hein. Je sonne alors. Non, il n'y a que chez tes riches qu'on sonne. C'est une auberge, on rentre dans une auberge, normalement. Et on laisse le micro ouvert. Oh, tu peux le fermer hein, après, hein, quand le Pénichon est parti. Hein, je sais pas. Ben, le temps qu'elle arrive, je mange. Voilà, tu fais ça et tu lui indiques la table. Ok. Ces dames sont là, elles ne vont pas tarder. J'ai envie de les voir, de leur parler. Je vais les attendre. Par ici, monsieur. Je ne reste qu'une minute. Je repars à l'instant pour la mère de Basse. Peut-on me servir un gros roquiche, je vous prie. Bien sûr. Ah, le livre des voyageurs. Quand elle te dit par ici, tu vas vers la table qu'elle t'indique, hein, comme dans un resto, on nous montre une table, on y va, quoi. Hein, donc tu vas et tu découvres effectivement le livre des voyageurs. D'accord. Voyons, que l'homme est petit quand on le contacte du haut de la mer de glace. Signé Perrichon. Mer. Voilà, monsieur, qui mérite une bonne leçon d'orthographe. Merci, monsieur. Merci. Ah, vous n'auriez pas reçu parmi les personnes qui sont venues ce matin un voyageur du nom d'Armand Desroches. Tu prennes le temps d'écrire, commandant. Ah, bien. Eh oui. Vous n'auriez pas reçu parmi les personnes qui sont venues ce matin un voyageur du nom d'Armand Desroches. Hein? Ah, c'est moi, monsieur. Vous, monsieur. Laissez-moi. Monsieur Armand Desroches de la maison Desroches, Tournep et compagnie, que j'ai envie de parler. Oui, monsieur. Commandant Mathieu. Enchanté, mais...